Bonjour, bonjour les amis, il est 6h30 du matin, je suis à Paris. Et oui, parce que ce soir, je me rends chez Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste, TPMP, et je compte sur vous. Parce que, vous savez, les médias du système ne vont pas forcément être tendres. Hein, c'est pas spécialement leur but de donner au peuple un espoir de se débarrasser de l'oligarchie, de se débarrasser du système qui vous empêche élection après élection, tout en faisant croire que vous avez un petit bulletin de vote, mais en réalité, tout est joué d'avance. Eh bien, ce soir, ils vont peut-être essayer de me ridiculiser, de raconter plein de choses pas forcément très agréables sur moi. Moi, je sais pas comment je vais réussir. Hein. Je suis pas spécialement un professionnel des médias. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'on peut dire sur moi. Ce qui compte, c'est le message qu'avec l'article 68, on peut virer Macron. Et que si on s'y met tous ensemble, qu'on est organisé, c'est vraiment possible. Donc je compte sur vous toute la journée, on va faire passer ce message, on va se préparer, on va vous faire passer un certain nombre de médias et qui seront donc les éléments de langage, plus exactement les arguments à faire comprendre à tous les Français. Essentiellement, article 68, voilà. Je compte sur vous, on va faire ce qu'on peut faire, mais moi je crois vraiment que ensemble on peut y arriver. Ah, et puis dernière chose. Donc Cyril m'avait invité déjà il y a une semaine, mais j'avais dit non parce que j'avais une réunion avec le comité pour la destitution. Vous êtes plus importante que n'importe quel média. Vous les Français, ça dépend de ce que vous faites. C'est vous qui comptez. Alors évidemment, j'avais dit non à Cyril Hanouna et il m'a finalement invité pour ce soir lundi et il peut faire la même chose. Donc si jamais il nous annule l'émission ce soir, faut pas être déçu. Ça fait partie des coups de patte, on va dire, pour être gentil, que le système peut nous faire. Hein. Dès qu'on aura publié que je me rends chez Hanouna ce soir, peut-être qu'il y aura un coup de fil du ministère qui dira non, vous déprogrammez, annulez. Voilà. Donc comptez pas forcément dessus. Mais en tout cas, on va faire le maximum. Et tous ensemble, on peut le faire. Destitution. Je vais vous annoncer aussi notre prochaine initiative. Les pancartes destitution que nous avons affichées il y a quelques jours sur Internet ont été à la fois une improvisation et une grande réussite. Ça me permet aujourd'hui de lancer la prochaine action qui est dimanche des comme destitution. Dimanche, à votre libre créativité, vous afficherez le mot destitution sur des pancartes, sur des affiches, sur le web, sur des montages. À vous de décider. C'est un mouvement populaire et c'est joyeux comme un dimanche. Voilà. Les samedis des Gilets jaunes, j'ai toujours soutenu, peut-être pas pour les raisons initiales, mais j'étais solidaire. Il faut être solidaire des Français qui veulent se libérer de l'oppression. J'ai vu beaucoup de samedis. Samedi après samedi, le peuple des Français, avec courage, s'était levé contre l'oppression. Et j'ai toujours voulu soutenir. Aujourd'hui, je porte une petite chemise jaune. Souvent, j'ai porté un gilet jaune. Souvent, j'ai soutenu. Et c'est avec une grande peine que j'ai vu ce mouvement s'arrêter. Les samedis des Gilets jaunes, vous connaissiez. Et bien maintenant, nous lançons les dimanches pour la destitution. Et les samedis ont pu mener à certaines souffrances, des matraquages, des yeux perdus. C'est triste et c'est une raison de destituer Macron. Maintenant, nous lançons la libération. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous faites ça en sécurité. Vous faites ça avec des amis. Vous faites ça sur un pont. Vous faites ça dans une cave. Vous faites ça dans les airs. Vous faites ça sur les plages. Vous faites cela partout. Parce que la liberté n'attend pas. Et préparez chacun chez vous ce que vous ferez dimanche.